Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous avions reçu, individuellement et collectivement, à travers les médias et réseaux sociaux, que Marie-Antoinette ou Madame Sassou, alias Antoinette Thibautin, serait dans un état critique entre la vie et la mort, qu'elle serait morte, d'après les sources et les informations que nous avions. Elle est certes malade suite à des différentes AVC, qu'elle se soigne et depuis toujours aux frais de l'État congolais, dont on ne sait pas le coût financier, il est inestimable pour le commun des mortels congolais. Donc je vous ai parlé de plus de 1,5 million de dollars, donc on a des milliards de francs CFA. Mais, aux dernières informations, elle est vraisemblablement en Suisse, en cure thermale. Donc méfiez-vous des apparences. Donc, le dictateur Denis Sassou Nguesso et tous les réseaux de la dictature ont depuis presque 8 mois lancé toujours des rumeurs. Les rumeurs consistent à recueillir des opinions et faire des projections. Vous avez par exemple pu entendre que le dictateur serait sous oxygène et autres dollars. Vous avez tout compris. Et maintenant là, c'est Marie-Antoinette. Mais en réalité, ils sont avoir. Ils subtilisent les moyens de tous pour la survie de leur régime. Donc, les réseaux qui travaillent dans l'ombre et nous informent que Denis Sassou Nguesso est certes malade, très grave, maladement, et aussi sa femme et autres. Mais il y a tous les réseaux qui travaillent pour leur santé aux frais de l'État congolais. Mais le coût est énorme. Donc, c'est en ce qui concerne le budget de l'État. Bon, je ne veux pas en revenir. Mais quand on vous dit que déjà, depuis 2021, nous sommes au mois d'août, ce qu'ils ont dépensé pour leur santé, pour les rumeurs et autres, c'est énorme. Je pourrais vous en dire qu'il sera autour de 10 millions, 15 millions de dollars. Alors que les Congolais sont dans la merde. Mais qui est con, qui est imbécile, qui est idiot et autres. On peut tout interpréter en fonction de la raison, du sens de l'intérêt général des uns et des autres, et pour certains, en tenant compte de l'appartenance ou même des émotions et autres. Mais je vous informe que Marie-Antoinette ou Madame Antoinette est malade. Elle se soigne et prend des soins avec l'argent public congolais. Donc il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez tout ce qui peut venir. Ah oui, elle était Congo Assistance, mais attends, qui du Congolais ou de la Congolaise peut-elle avoir tous ces moyens-là pour se faire cette santé de luxe et autres? C'est aux frais de l'État congolais. Et donc, nous sommes là pour vous dire simplement que nous allons suivre la situation. Mais nous étions pris dans les pièges. Mais l'information est passée quand même, hein. Et on a fait le jeu de ces rumeurs, mais on s'est rendu compte que il y a d'autres enjeux qui sont derrière, qui se cachent soit pour la succession de Garguet ou la dynastie ou autre. Mais les Congolais aujourd'hui sont informés. Donc il y a des réseaux qui suivent. Il ne reste plus que. Voilà. Donc je parle en détail. Mais Antoine Sassou Nguesso est en vie. Donc c'est quand on nous a dit autre. Comme on a dit, mais Sassou Nguesso autre, on a relayé. Maintenant, vous, individuellement et collectivement, à travers les médias, réseaux sociaux, dans les réseaux Facebook, allez voir. Est-ce que c'est. Voilà. Donc vous comprenez ça. Donc Madame Sassou Nguesso est en difficulté sanitaire. Mais elle se soigne au frais de l'État, comme son mari et autres.
mais elle n'est pas la seule. Mais les jets sont lancés et donc ils ont leur espionnage, contre-espionnage avec les moyens de l'État, mais nous, les peuples et tous les réseaux travaillent aussi avec les moyens de borne et pour aussi, voilà, donc à tout instant, on peut récupérer ce pays. Et c'est là que vous allez comprendre, comme vous avez vu, Mobutu, les Dos Santos, les Amidiada, les Samendo, les Point Point Point, les Tshisekedi et autres. Donc ils sont là en train de jouer, ils savent bien qu'ils sont où on fait des règnes. Donc nous suivons la situation, mais ne venez pas. Moi personnellement, je ne veux plus partager ça, parce que je croyais que je partageais ça dans le sens que j'avais des individus qui étaient quand même. Bon, écoutez, j'arrête là et à bientôt. Je peux terminer. À bientôt.